Les opposants ukrainiens s'attendent à tout moment à une intervention de la police, notamment ceux qui occupent depuis plusieurs jours les bâtiments publics, comme l'hôtel de ville. Plusieurs centaines de manifestants y campent de jour comme de nuit depuis le 1er décembre et ils n'ont pas l'intention d'évacuer les lieux malgré les mises en garde des autorités. Nous avons l'esprit cosaque, combatif, et ça c'est l'essentiel, dit ce garçon. Nous sommes des Ukrainiens, nos ancêtres ont gagné, ils ont réussi à battre des armées, nous n'avons peur de personne. L'opposition a fait de l'hôtel de ville de Kiev l'un de ses quartiers généraux. Les opposants viennent s'y réchauffer, dormir, manger et même se soigner.